140 ans d'histoire dont 102 liés au football. Un monument du football français aux multiples trophées. Un club historique plusieurs fois vice-champion et aux plusieurs matchs européens. Un club de légende fort de 75 ans de professionnalisme dont 67 en Ligue 1. Et pour chaque décennie, un trio de joueurs emblématiques, choix bien sûr personnel et subjectif. Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'histoire d'un monument du football français, les Girondins de Bordeaux. L'histoire commence au 19e siècle, en 1881, plus précisément le 1er octobre, à quelques pas du marché des Capucins. Ce jour-là, un groupe de personnes décide de créer un club omnisport afin de pouvoir y pratiquer plusieurs types de sports. Mais pas encore le football, ça viendra plus tard. La société de gymnastique et de tir des Girondins est créée. Et c'est ce club omnisport qui, grâce à Raymond Brard, donne le jour à une section de football en 1910. Mais l'expérience ne dure qu'une année. Elle sera reprise 9 ans plus tard, après la fusion avec d'autres clubs de sport, un changement de local et un déménagement rue Henri IV. La section de football des Girondins Guyenne Sport compte 24 licenciés en 1919. C'est l'époque des fusions, et la CGTG fusionne avec l'Argus Club, qui apporte au nouveau club les couleurs marine et blanche. Nous voilà en 1920, date du premier match officiel. Et le premier adversaire officiel de l'histoire du club sera la section burdigalienne. Résultat, une défaite 12-0. À l'époque, le foot pro existe déjà à Bordeaux. Il y a le Sporting Club de la Bastidienne et le Club Deportivo Espagnol de Bordeaux. Un petit bond dans le temps, pendant lesquels les joueurs ont beaucoup travaillé et progressé, et c'est le temps des premières prouesses. En 1931, l'année du cinquantenaire, le club évolue en division d'honneur de la Ligue du Sud-Ouest. Il se hisse jusqu'en 8e de finale de la Coupe de France et se fait éliminer 1-0 par l'Olympique Lillois, qui deviendra l'année suivante le premier champion de France professionnel. Raymond Brard, l'homme à l'origine de la création du club, a pour ambition de faire de son club le plus grand club du Sud-Ouest. Il y met les moyens. Il signe les meilleurs éléments du FC Bordeaux, et il profite de la guerre en Espagne pour faire venir joueurs et entraîneurs ayant fui la guerre civile. Le club écrase le championnat de division d'honneur de la Ligue du Sud-Ouest, avec 2 défaites et 16 victoires en 18 matchs, et accède au championnat professionnel. Il dépose donc une demande de professionnalisation, et intègre la seconde division en 1937. La saga peut commencer. Et pour commencer cette histoire, quoi de mieux qu'un adversaire emblématique, qui deviendra l'adversaire des derbys de la Garonne, Toulouse. Les débuts ne sont pas fulgurants, mais le club se maintient. L'année suivante marque l'arrivée du scapulaire. Niveau résultat, le club finit au milieu de tableau. Le résultat n'est pas satisfaisant, alors Bordeaux recrute à tour de bras et voit arriver des jeunes joueurs en devenir, et une nouvelle armada de joueurs espagnols. Il y a d'abord Santiago Urtiz Berea, joueur né au Pays Basque, espagnol. Il fuit la guerre civile et débarque à Bordeaux. Footballeur de génie. C'est un attaquant doté d'une incroyable efficacité devant le but grâce à son sens de l'anticipation, à une frappe de balle puissante et à un excellent jeu de tête. Il y a aussi le capitaine, Rémy Mancisidor, défenseur basque espagnol qui lui aussi a fui Franco. Il sera le premier joueur du club à soulever un trophée professionnel, la Coupe de France en 1941. C'est un arrière latéral gauche qui excelle dans les duels. Rugueux, il est le chef de la défense girondine. Ses interventions sont toujours millimétrées. Toujours bien placé, il relance proprement dans le calme et la sérénité, ce qui lui vaut le surnom de pape. Il y a enfin Francisco Mateo, l'avant-centre vedette des Girondins, dont la performance et le rendement, si on les remet en perspective avec ce qui existe maintenant, sont proches de celles réalisées par les multiples ballons d'or que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il finira sa carrière au poste de libéro, suite à un accident de voiture et une longue convalescence. Un libéro, certes, mais avec des velléités offensives, et qui, grâce à une vision de jeu indéniable, part souvent en avant à porter le surnom. En 1940, une nouvelle fusion a lieu. Afin d'éviter aux joueurs d'être envoyés en Allemagne, le club fusionne avec l'association sportive du port. Les joueurs passent sous contrat de pompiers-sauveteurs, et le maillot sort de l'encre marine à la base du scapulaire. C'est sous le nom de Girondins ASP que le club remporte les 3 finales de la Coupe de France 1941. 3 finales parce que la France est découpée en 3 zones à cause de la guerre. Il est difficile d'organiser des rencontres interzones entre les différents clubs engagés. Alors chaque zone organise sa coupe, et envoie 100 vainqueurs disputer une finale, contre celui des autres zones. Sous le régime de Vichy, les règlements changent sans cesse et les Girondins en font les frais, devant laisser partir plusieurs de leurs joueurs étrangers et leur entraîneur espagnol.
Il finit cinquième du groupe Nord en 1942 et quatrième en 1943. L'Ortiz Berea est donc promu entraîneur-joueur et les résultats sont là. Bordeaux est encore une fois en finale de coupe, finale qui va être émaillée d'un scandale face à l'Olympique de Marseille. Lors de cette finale, les deux clubs finissent à égalité, mais les Bordelais s'estiment lésés suite à une erreur d'arbitrage, un but validé puis refusé par l'arbitre sous la pression des joueurs marseillais. La finale doit être rejouée, une première dans l'histoire de la coupe. Mais Marseille accuse Bordeaux d'utiliser un joueur non qualifié. Le mec a quand même joué 29 matchs depuis qu'il est à Bordeaux, mais la fédération donne raison à Marseille. Pour couronner le tout, un bombardement allié a lieu sur Bordeaux quelques jours avant la finale, et c'est avec des joueurs encore sous le choc des événements que se joue la finale, qui sera perdue par Bordeaux, 4-0. Après la guerre, la fédération met en place une division 1 unifiée à 18 clubs, dont Bordeaux, mais l'intersaison est mal gérée, et les nombreux départs ne sont pas remplacés, ou le sont mal. En plus, le nouvel entraîneur ne plaît pas. Les Girondins finissent 14e sur 18 et ne doivent leur salut qu'à la différence de but. Le miracle ne se reproduira pas la saison suivante. Bordeaux finit 18e sur 20 et rejoint la division 2. En trois saisons, le club passe de la seconde place à la relégation. Le club met 2 ans pour remonter, avec un total de 107 buts marqués pour une saison en division 2 à 18 clubs. Dans sa lancée, il finit champion de France au terme de la saison 1949-1950. Pour la première fois de l'histoire, une équipe promue est championne de France. Concernant le trio de joueurs de la décennie, il y a d'abord Camille Ibar qui joue au poste de milieu offensif excentré ou d'attaquant, et qui devient une plaie pour la défense adverse. Ses points forts, sa frappe de balle puissante, précise et un très bon jeu de tête. Son défaut, l'agressivité. Il y a encore Bertus de Harder, un ailier gauche qui aime repiquer au centre pour marquer, et c'est un buteur hors pair. Il est instinctif et déroutant grâce à ses accélérations et à ses dribbles. Il ne frappe pas très fort, mais il place. Son sens du but fait de lui l'un des plus grands joueurs ayant porté le maillot au scapulaire. Il y a enfin le capitaine, Jean Zviatek. Défenseur atypique, il ne tacle jamais, il est très difficile à passer en un contre un. C'est un meneur d'hommes, toujours à hurler ses directives. Il réclame que ses coéquipiers offensifs participent aux tâches défensives. Un novateur pour l'époque. Les Girondins disputent la Coupe Latine en 1950. La Coupe Latine, c'est une sorte de mini Champions League du pays latin qui oppose les champions de France, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, soit Bordeaux, l'Atlético Madrid, l'Ajax de Rome et le Benfica Lisbonne. La finale contre Benfica est disputée à Lisbonne et doit être rejouée suite à un match nul et Bordeaux s'incline alors 2-3 dans un épique second match qui durera 2h25 minutes. Prolongation et but en or sans limite de temps compris. Les années suivantes seront moins prestigieuses, même si le club finit dans les 6 premiers lors des 5 premières années, avec 2 finales de Coupe de France. La seconde partie de la décennie sera catastrophique. Bordeaux finit 17e en 1956 et connaît sa seconde relégation. L'entraîneur est remplacé par un ancien de la maison, Camille Ibar, et de nombreux joueurs prennent leur retraite. Le club reste 3 ans en division 2 et remonte in extremis en division 1 à la dernière journée de la saison 58-59. La saison 59-60 est une répétition de la saison 2021-2022. Le club subit une humiliation en championnat, finit 20e, loin derrière le premier non relégable, et encaisse 102 buts. Résultat, le club connaît sa troisième relégation sportive avant cette année. Concernant les joueurs de la décennie, il y a d'abord Ben Mohamed, plus connu sous le nom d'Abdeslem. Il fait rapidement oublier Henri Bayo parti à Strasbourg et s'impose comme le premier attaquant de l'équipe grâce à une redoutable frappe de balle, une bonne technique et des qualités athlétiques qui en font un cauchemar des défenses adverses. Son défaut, il alterne le meilleur et le pire dans une même rencontre. Il ne reste que 3 ans en Gironde, mais ce sont des saisons pleines. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'époque, il décroche une sélection en équipe de France en 1953 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1954. Il y a encore René Galis, champion de France 1950, pour le premier titre de D1 de l'histoire du club au scapulaire, le pionnier de l'histoire de la famille Galis avec le FCGB. Après s'être engagé durant les années de guerre, il retourne au club dès la fin de la guerre. Il retrouve sa place au milieu de terrain dans le système WM de l'époque, où sa présence fait merveille. Entre 1938 et 1955, en division 1 et en division 2, il contribue au succès des siens et produit des prestations de très haute volée, marquant un bon nombre de buts, dont plusieurs sur pénalty. Au final, l'international français totalisera 390 matchs officiels et 33 buts toutes compétitions confondues. Il terminera sa carrière comme entraîneur-joueur dans la région, à l'AS Gironde. Il y a enfin le capitaine, Jacques Debellex, un joueur multicarte qui peut jouer milieu défensif, arrière latéral ou défenseur central. Il représente le renouveau des Girondins après le titre de 1950 et incarne cette grosse école de défense que furent les Marinés blancs à cette époque.
Il revient dans l'organigramme de la formation au sein des Girondins de Bordeaux quand, dans les années 80, il occupe la fonction de directeur de l'école de football. Cette fois, Bordeaux décide de ne pas précipiter les choses. La remontée se fera en douceur et en 2 ans, avec de la suite dans les idées. Les Bordelais arrivent en division avec un collectif solide composé des joueurs de la montée et de recrues internationales. Et ce changement sera l'œuvre de Salvador Artigas. Le joueur avait joué dans les années 40 au club et il revient entraîner le club avec une discipline de fer. Pour Artigas, les clés du succès sont simples. Travailler plus que les autres, insister sur la défense et avoir une hygiène de vie. La première saison de Division 1 confirme la justesse des théories d'Artigas. Bordeaux possède la meilleure défense du championnat et termine 4e, performance remarquable pour un promu. La saison suivante, Bordeaux se renforce avec un bon recrutement et des jeunes du cru. Mais les résultats finissent par baisser avec autant de victoires que de défaites. Les Bordelais finissent 7e, à égalité de points avec un promu, Nantes, lors de la saison 63-64, mais avec une nouvelle finale de coupe, perdue contre Lyon 2-0. Les Nantais prennent l'avantage l'année suivante sur leurs rivaux de l'Atlantique, en finissant champion avec 2 points d'avance sur le dauphin Bordeaux. Bis repetita pour la saison 65-66. En 67, Saint-Étienne reprend le pouvoir aux Nantais. Les Girondins finissent 4e. L'équipe arrive en fin de cycle et Artigas rejoint sa Catalogne pour aller entraîner le FC Barcelone. Bilan, avec Salvador Artigas au poste d'entraîneur, Bordeaux revient au premier plan dans les années 60 et flirte avec les sommets, sans toutefois décrocher le trophée. Lors de la saison 68-69, les Girondins disposent cette année-là d'un effectif de très grande qualité, technique et tactique. En championnat, une lutte sans merci est engagée entre les Marinés Blancs et les Verts de Saint-Étienne. Bordeaux dispose ainsi de la meilleure attaque de la Ligue. Les Girondins ont décidé de jouer sur les deux tableaux en conjuguant championnat et Coupe de France, coupe qui pour la première fois se joue en match aller-retour. Le club finit 2e et atteint la finale. Toujours placé mais jamais gagnant. Il y a toujours un Nantes en 65 et 66 ou un Saint-Étienne en 69 pour interdire aux Bordelais la plus haute marge du podium. 3 places de second en championnat, 3 finales de Coupe de France perdues face à Lyon en 64, Saint-Étienne en 68 et Marseille en 69. Concernant le trio de la décennie, il y a d'abord Laurent Rebouchy, petit ailier gauche au tempérament de feu, qui presse sans arrêt les défenses adverses. C'est le pourvoyeur de pénalty grâce à son jeu de fait de provocation et de dribble, mais aussi grâce à sa ruse. On lui reproche parfois de ne pas être assez collectif. Il est souvent dans les mauvais coups et contribue à entretenir la réputation de formation rugueuse des Girondins. Pour un ailier, il présente des statistiques impressionnantes comme buteur. C'est le 4e meilleur buteur de l'histoire du club. Il est considéré au début des années 60 comme l'un des tout meilleurs ailiers gauche de France. Il y a ensuite André Chorda, un arrière latéral gauche dur sur l'homme. Compétiteur et mauvais joueur, il ne supporte pas de se faire dribbler par son vis-à-vis. C'est un défenseur en avant sur son temps car il aime se porter à l'attaque. Il y a enfin Didier Kouikou, un ancien milieu de terrain reconverti attaquant par Artigas. Il est aligné sur l'aile droite avant de devenir avant-centre. Il est doté d'un excellent jeu de tête malgré une taille moyenne. Rugueux, ténueux et sanguin, il est bien connu de la commission de discipline. Cette solidité jamais récompensée fait ensuite place à un lent déclin dans les années 1970. Malgré l'éclosion de futurs internationaux, le club végète au milieu de tableau, luttant parfois pour le maintien. Le ventre mou du classement est désormais l'eau habituelle, les parcours en coupe sont très brefs et donc logiquement le public déserte le parc Lescure. Mais le centre de formation tourne à plein régime. Bordeaux forme de jeunes joueurs dont certains connaîtront les joies d'une sélection et deviennent les piliers de l'équipe première. On va rentrer dans un peu de mauvaise foi. Les mauvais résultats peuvent s'expliquer en partie grâce à un manque de chance incroyable durant cette période. Les joueurs clés sont blessés gravement ou suspendus pour un problème administratif. C'est à cette époque que Claude Béz prend la présidence du club, et en 79, avec cet ambitieux président, les Girondins se doivent de dominer le football français des années 80. Une grande épopée va commencer. Le premier entraîneur des années Béz est l'Argentin Luis Carniglia. Il ne réussit pas à imposer son style, et il laisse à son départ le club en bas du classement. Béz fait venir alors un Belge plein d'avenir, qui va sauver la fin de saison 79-80, un certain Raymond Goethals. Concernant le trio de la décennie, il y a d'abord Philippe Bergerot, le gardien qui, grâce à d'autres sports, a développé des qualités indispensables pour le poste. Au début de la saison 74, Philippe Bergerot se fracture la jambe et il est indisponible jusqu'à la fin du championnat. Bordeaux doit donc engager en catastrophe un nouveau gardien. Il y a encore Jean-François Domergue, un arrière-gaucher élégant, excellent contre-attaquant, doté d'une intelligence de jeu et d'une excellente technique de gaucher. C'est l'exécutant des pénaltys et des coups francs. Formé comme milieu de terrain, il recule un jour dans le couloir gauche pour contrer le Stéphanois Johnny Rep sur les consignes de Christian Montes. Il y reste durant toute sa carrière bordelaise.
Il y a aussi Daniel Jean Dupeux, un attaquant suisse élégant, intelligent et très efficace. Il est l'un des meilleurs joueurs étrangers qui ait joué aux Girondins. Sa principale qualité est son explosivité au démarrage sur les 5 premiers mètres. Il voit sa carrière brisée en même temps que sa jambe sur un tacle du Marseillais Berdol en octobre 1977, deuxième élément qui va alimenter la brouille entre Marseillais et Bordelais après la finale volée en 1943. Et petit bonus, il y a surtout Alain Giresse, un joueur en qualité technique impressionnante. Dribble, frappe, contrôle, toucher de balle, placement, intelligence de jeu, ce qui compense sa relative faiblesse athlétique. Vif et adroit devant le but, il s'adapte à tous les systèmes de jeu, ce qui en fait un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Avec l'arrivée de Claude Béze, l'ambition est de faire une grande équipe. Et comme l'homme est très riche et qu'il aime le club, il va injecter des millions dans les caisses. Et il fait de Bordeaux, au moins au niveau économique, un rival des ténors français de l'époque. Et ça fonctionne. Les Girondins dominent le football français au cours des années 80. Ils gagnent 3 titres de champion en 84, 85 et 87, 2 coupes de France contre Marseille en 86 et 87, et sont des habitués des coupes d'Europe entre 82 et 89 avec 2 demi-finales. Les années 80 riment avec Aimé Jacquet. Il est l'entraîneur du club de la saison 80-81 à la saison 88-89, et c'est lui qui donne au club ses nouvelles heures de gloire. Il fait renaître le club et apporte le premier titre depuis les années 50, lors de la saison 83-84, puis un second l'année d'après, avec en plus une demi-finale européenne, demi-finale qui sera un des sommets de l'histoire des Girondins. L'adversaire, la Juventus de Turin de Michel Platini. Plus de 65 000 personnes au stadio communal de Turin pour le match aller assistent à la victoire des Biancorini 3-0. La messe est dite. Et pourtant, Bordeaux a bien failli renverser la situation au match retour. En 90 minutes, les Girondins ont bousculé la Yelida. Dès la 25e minute, ils marquent, puis ils inscrivent un second but à la 80e. Les 10 dernières minutes sont héroïques. Les Bordelais poussent, les Italiens paniquent. L'Escure est prêt à chavirer, mais les Turinois ne craqueront pas. La Juve se qualifie, mais d'extrême justesse. Le championnat, lui, a été beaucoup moins serré que le précédent. Bordeaux accumule les points avec régularité et sont champions avec 3 points d'avance sur Nantes. La saison suivante, la saison 85-86, sera considérée comme une saison ratée, avec de la mésentente dans l'effectif, et ce malgré une 3e place et une Coupe de France acquise face à Marseille. Résultat, le capitaine emblématique du club, Alain Giresse, part à Marseille. Le recrutement pour la saison 86-87 est ambitieux et très cher. Et les résultats sont au rendez-vous. Bordeaux sera champion avec 4 points d'avance sur le Marseille d'Alain Giresse. Mieux, le club garde aussi la Coupe de France suite à une victoire 2-0 sur le Marseille d'Alain Giresse. Et il fait un bon parcours en Coupe des Coupes allant jusqu'en demi-finale, perdant contre le contre le Lokomotiv Leipzig au pénalty. La saison 88-89 marquera la fin du cycle de l'équipe et la fin de l'ère Jacquet. Malgré un recrutement imposant, le club finit dans la seconde partie de tableau, mais fait émerger 2 jeunes joueurs en devenir. Les Girondins se font éliminer en Coupe d'Europe par Naples, ridiculisés par Beauvais dès le premier tour de la Coupe de France, et surtout terminent 13e du championnat. Ces mauvais résultats entraînent le limogeage d'Aimé Jacquet en cours de saison. C'est la fin de 8 années de rêve, et financièrement les conséquences sont énormes. En 89-90, le club finit second, à 2 points de Marseille. C'est le dernier barreau d'honneur des années 80. Concernant le trio de la décennie, il y a d'abord Patrick Battiston, défenseur élégant, toujours très propre dans ses interventions, et très sûr techniquement. Il commence sa carrière sur le côté droit de la défense, où il y brille grâce à sa vitesse de course peu commune. Mais après le départ à la retraite de Marius Trésor, il s'installe définitivement dans l'axe. Sa science du jeu et son sens tactique font de lui un gage de sécurité pour l'ensemble de l'équipe. Il y a encore Marius Trésor, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football français. Technique et physique à la fois, il appartient au cercle restreint des défenseurs centraux de légende comme Beckenbauer. Roi du tacle, il est averti qu'à 2 reprises durant sa longue carrière. On ne peut ignorer Jean Tigana, archétype du milieu défensif. Doté d'un caractère difficile, il est une figure du foot des années 80. Au début des années 90, les scandales éclatent les uns après les autres. Claude Béze est inculpé d'escroquerie, d'abus de confiance et de complicité de faux le 22 novembre et doit démissionner. Les repreneurs du club ne sont pas légion et Jacques Chaban-Delmas, député maire de Bordeaux, intronise l'unetier Alain Afflelou et Jean-Didier Lange à la tête du club. Malgré une petite 10e place, le club est relégué administrativement en Ligue 2. Bordeaux repart donc en Ligue 2 en 91-92 et retrouve l'élite après avoir fini champion du groupe B. Les Girondins, appuyés par une série de partenaires solides, se rétablissent rapidement à un bon niveau
et pour leur retour parmi l'élite, le nouvel entraîneur est un certain Roland Courbis. Il va de nouveau rendre les Bordelais dangereux et leur faire jouer d'entrée les premiers rôles, grâce à un recrutement intelligent et opportuniste, permettant aux Girondins de s'attacher les services de nombreux joueurs, dont une jeune pépite. Le talent de Courbis fera le reste. Il reste deux saisons en place, et le club finit deux fois quatrième. À la fin de la saison 94, Courbis quitte le club. L'entraîneur Tony est embauché, et le changement est rude. D'ailleurs, ça ne marche pas du tout. Malgré la qualité de l'effectif, le jeu n'est pas à la hauteur. 7e, puis 16e en 94-96 avec un maintien acquis à la 37e journée, mais avec un peu d'éclaircie en Coupe d'Europe avec une finale européenne. Une épopée extraordinaire commencée par la Coupe Intertoto, et avec une élimination du Grand Milan en quart de finale, malgré une défaite au match aller 2-0. En remontant le score du match aller, les Bordelais éliminent le plus grand club du monde lors d'une rencontre époustouflante gagnée 3-0, et avec les 10 minutes les plus longues de ma vie de supporter bordelais. Hélas, en finale de la Coupe UEFA, le club n'a rien pu faire face à la puissance collective du grand Bayern de Munich. Les Girondins établissent quand même le record de nombre de matchs européens en une saison, avec 20 matchs. L'année suivante marque le retour de Roland Courbis au club, et donc une quatrième place, avec une finale de la Coupe de la Ligue. La saison 98-99 est la saison qui renoue avec le succès. Avec Elie Bop à sa tête, l'équipe va lutter toute la saison pour la première place avec l'Olympique de Marseille. Les Bordelais ne seront champions qu'à la dernière minute, grâce à un jeune joueur qui va marquer l'histoire du club et va venir battre Bernard Lama à la 89e minute, offrant le premier titre de champion en 12 ans aux Girondins. Concernant les joueurs de la décennie, il y a l'incontournable trio magique. Il y a d'abord Bexente Lizarazu, le petit basque, grand arrière-gauche parmi les grands. Son entente avec Zinedine Zidane est un régal en club comme en équipe nationale. Impeccable centreur, il rejoint le panthéon des arrières-gauches incontournables avec Bosis et Amoros. Il y a ensuite Christophe Dugarry, le natif de l'étape, qui a un jeu de tête remarquable, mais un petit défaut, malgré une technique délicieuse. Il ne confirme pas tout son potentiel et il marque peu de buts. L'histoire avec les Girondins se termine sur une bagarre dans les vestiaires avec Eduardo Costa, un soir de match de Coupe de l'UEFA contre Anderlecht en décembre 2002. Il y a enfin Zinedine Zidane, le dieu, l'icône, la classe incarnée et la technique personnifiée. En 92, Bordeaux négocie un contrat avec Cannes. Dans la conversation, Courbis demande au président cannois où en est le transfert de Zidane avec l'OM, et il apprend que Gueutalf et Tapie ont finalement mis fin aux discussions, jugeant l'espoir cannois trop lent. Finalement, Zidane signe à Bordeaux pour 3 millions de francs, à condition que les Girondins prennent Éric Guirit, joueur au gros salaire pour un club fraîchement relégué en division 2. Merci l'OM. L'histoire de Zinedine Zidane avec les Girondins aurait pu connaître un nouvel épisode quand, en juin 2014, il fut en contact très avancé avec le club pour en devenir l'entraîneur. Mais la frilosité de l'actionnaire M6 l'incita à accepter plutôt un poste au Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid. En 2000-2001, Bordeaux se qualifie pour la cinquième fois d'affilée grâce au championnat. La saison suivante, les Girondins retrouvent la Coupe d'Europe grâce à la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue 2002 est remportée aux dépens de Lorient et est le premier trophée bordelais du troisième millénaire. Après une phase de deux années difficiles, les Girondins renouent avec les victoires durant la saison 2005-2006 en terminant deuxième de la Ligue 1 et retrouvent la Ligue des Champions. Lors de l'intersaison, le recrutement est discret mais efficace. Les dirigeants se sont plongés dans les transferts. Ils veulent garder tout l'effectif, ce qui paraît difficile, mais recrutent un international français et ex-bordelais en provenance du Werder de Brême. Et là, sa faiblesse financière, avec un budget qui avoisine seulement 65 millions d'euros, limite les ambitions. Après une saison 2006-2007 mitigée en championnat et en Ligue des Champions, où elle n'a pas pu passer le premier tour, l'équipe des Girondins renoue avec le succès, en remportant la Coupe de la Ligue pour la deuxième fois de son histoire contre l'Olympique Lyonnais. C'est le premier trophée de Bordeaux depuis 2002, et il leur permet d'assurer la qualification en Coupe UEFA pour la saison 2007-2008. En juin 2007, l'équipe est confiée à un entraîneur novice mais champion du monde. Véritable coup de poker en début de saison, Laurent Blanc emmène son groupe à la deuxième place au terme d'une saison magnifique. Les Girondins battent ainsi le nombre de records de points du club avec 75 points et sont qualifiés pour l'édition 2008-2009 de la Ligue des Champions. Lors de cette saison, Bordeaux gagne le trophée des champions en battant Lyon au tir au but. Grâce à ce succès, les Girondins deviennent le quatrième club français à avoir remporté au moins une fois tous les trophées nationaux, championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et trophée des champions, avec Lyon, Monaco et le Paris Saint-Germain. La même saison, le club remporte sa troisième Coupe de la Ligue face à Vannes, devenant le club ayant le plus de victoires dans cette compétition à égalité avec Paris. À la lutte avec Marseille, le club termine sa saison de Ligue 1 avec une série de 11 victoires d'affilée, nouveau record national. Le club devient champion et remporte son sixième trophée de champion de France de son histoire.
Lors de la saison 2009-2010, les Girondins remportent pour la seconde année consécutive le trophée de champion en battant Guingamp. En championnat, c'est une petite déception. Le club a démarré sur le même cycle qu'il avait fini la saison précédente, mais il s'écroule au moment où des rumeurs envoient Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France. Il finira sixième et perdra la finale de la Coupe de la Ligue face à Marseille. Il ne sera pas qualifié pour l'Europe la saison suivante. Mais la saison 2009-2010 est aussi la meilleure saison des Girondins de Bordeaux en Ligue des Champions. L'équipe de Laurent Blanc réussit notamment à battre la Juventus, le Bayern de Munich, à l'aller comme au retour, et termine première de sa poule et invaincue. Les Bordelais se font éliminer en quart par l'Olympique Lyonnais de Hugo Lloris sur un score cumulé de 3 buts à 2. Concernant le trio de la décennie, il y a d'abord Paoletta, le renard des surfaces, la référence en matière de buteur. Sa réussite bordelaise l'impose en équipe nationale, avec qui il participe à la Coupe du Monde 2002. Il empile les buts sous le maillot bordelais, termine meilleur buteur de championnat en 2002, aide le club à ramener la Coupe de la Ligue et est élu à deux reprises meilleur joueur de Ligue 1. Il y a aussi Johan Micou, un joueur formé à Cannes avec qui il se révèle. Le milieu offensif avait déjà pris les clés du jeu des Girondins en 1996, mais était parti en 2000 à Parme, puis au Werder de Brême, où il est devenu une icône. L'international français revient 7 ans plus tard pour redorer le blason des Bordelais et y terminer sa belle carrière. Il y a enfin Johan Gourcuff, l'artiste et l'architecte du titre de champion. Une copie de Zidane par ses contrôles, ses passes, ses enchaînements et sa vision de jeu. Mais il est trahi par sa fragilité physique. Bien sûr, j'en oublie d'autres, comme Chamakh par exemple. La saison 2010-2011 est marquée par plusieurs changements majeurs. Laurent Blanc quitte le club et rejoint la sélection nationale, et des joueurs cadres sont transférés. Jean Tigana est nommé entraîneur des Girondins avec Michel Pavon en adjoint. Les mauvaises prestations de l'équipe girondine s'enchaînent et la trêve hivernale arrive. La crise couve. Le niveau de jeu de l'équipe est en chute libre et les Bordelais se retrouvent au fond du gouffre à la mi-saison. Jean Tigana perd peu à peu le contrôle des vestiaires et des rumeurs persistantes le disent partant. Le groupe M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux, déclare que le club ne pourra pas conserver un effectif de Ligue des Champions si les Girondins ne se qualifient pas pour la prestigieuse Coupe d'Europe. Pour la saison 2011-2012, Francis Gillot est nommé entraîneur pour 2 ans. Les résultats sont mitigés, mais le club retrouve l'Europe et une 5e place. En 2012-2013, le club gagne ses derniers trophées, une 4e Coupe de France et une 2e Coupe Gambardella, qui sont remportées par le club face à Evian et à Sedan. En 2014, une fois n'est pas coutume, les Girondins misent sur un jeune technicien. Willy Sagnol, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, est devancé par une flatteuse réputation et une carrière de joueur impressionnante. Pour sa première saison, le technicien originaire de Saint-Étienne qualifie les Marinés Blancs pour la Coupe d'Europe grâce à une 6e place porteuse d'espoir et de nouvelles ambitions. Il sera limogé en 2016 suite à une série de mauvais résultats. En 2018, M6 revend le club à un fonds d'investissement américain. Concernant les joueurs de la décennie, il y a Yaroslav Plazil, milieu de terrain technique et physique. C'est lui qui récupère les ballons et relance les attaques. Il rentre dans le staff technique à la fin de sa carrière. Il y a aussi Cheikh Diabaté, le buteur malien, avec une technique en retrait mais efficace devant le but, malgré quelques ratés. Il y a enfin Cédric Carasso, gardien puissant et régulier aux excellents réflexes, qui s'impose dans sa surface. La suite est un engrenage qui plonge Bordeaux dans les profondeurs, et le club lutte contre la relégation pendant 2 ans. Il finit par être relégué lors de cette saison. Le club a un énorme déficit que le nouveau président va devoir combler par les ventes et une réduction de dette. Après 140 ans d'histoire, dont 102 ans liés au football, ce monument du championnat risque une faillite et n'est toujours pas sûr d'être professionnel la saison prochaine. Concernant le trio de joueurs de la décennie, il est un peu tôt pour en sortir. Elle vient de commencer. Mais ironiquement, je nomme dans cette catégorie 2020, après avoir hésité à nommer les joueurs ayant perdu l'invincibilité face à Marseille, je préfère nommer la fédération qui a obligé le club à jouer avec une équipe décimée. Moi, de mauvaise foi, à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations. En attendant, merci de mettre le pouce bleu, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner et activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous connaissez le principe et ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi participer dans les commentaires et me dire ce que vous avez apprécié ou s'il y a des erreurs. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.